Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert, dans toute sa gloire et sa magnificence. Je fais des bagues. Salut Martin. Salut Simon, merci de m'inviter encore aujourd'hui avec vous autres. C'est un privilège, je trouve ça excitant de pouvoir discuter de la Bible avec toi. Très d'accord. Martin, il y a une expression québécoise. La dernière fois, on a vu faut pas être incrédule, faut pas faire nos Thomas. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse parler de Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques. C'est vrai que c'est une expression qu'on dit tout le temps au Québec. Pierre-Jean-Jacques. Ouais. C'est qui ça, Pierre-Jean-Jacques? Exactement. C'est quoi que ça veut dire? En fait, j'ai fait l'exercice juste pour le fun. J'ai tapé sur Google une petite recherche rapidement. Ça veut simplement dire Monsieur tout le monde. Pierre Jean-Jacques, ça veut dire on n'est pas en train de parler du premier ministre. Ouais. On n'est pas en train de parler du plus grand joueur du Canadien de Montréal. On parle de Pierre Jean-Jacques. Quelqu'un du monde ordinaire. Exactement. Et on pointe pas personne, on pointe tout le monde, mais personne. Exactement. À peu près ça. Toi puis moi, c'est quelqu'un du commun, là, bref. C'est spécial parce que c'est du vrai monde, ça. Exactement. Ça, la question qui est toujours intéressante, puis pour nous autres, puis pour nos auditeurs, ça vient de où, cette expression-là? Pourquoi on dit Pierre-Jean-Jacques? Ça vient de où? Et la réponse n'est pas tellement compliquée. Ça vient de la parole de Dieu. En fait, je ne sais pas si tu savais, Simon, mais dans les évangiles, juste dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit 32 fois les noms de Pierre, Jean et Jacques revenir ensemble. Dans le même verset. Donc, on parle d'un groupe de personnes. Donc, oui. Il y a les 12 et au sein des 12, il y a un sous-groupe. Exactement. De Pierre, Jean, Jacques. Et nous, on utilise l'expression pour dire que c'est personne, mais c'est réellement du vrai monde, qui ont réellement existé, oui. Qui ont réellement une histoire et qui ont vraiment été dans la garde rapprochée de Jésus. Très, très rapprochée. Ils ont passé 3 ans et demi de très, très près avec Jésus. Jean dit même qu'il est le disciple de que Jésus aimait. Amen. Donc, il y avait une relation particulière. Et on voit encore dans les événements marquants du ministère de Jésus que c'était Pierre, Jean et Jacques qui étaient là. Exact. Et ça, c'est avant de regarder ces événements marquants-là, parlons un peu de Pierre Jean-Jacques. Peut-être que les gens ne les connaissent pas. On a dit l'expression québécoise, si on cherche la définition, elle veut dire Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que c'était vraiment du Monsieur Tout-le-Monde ou c'était des gens extraordinaires? Parce que, après tout, pour les gens religieux, hey, Pierre! C'est grand, mais Jean, il a écrit l'Évangile, 3 épîtres, l'Apocalypse. C'était du grand monde, ça, hein? J'ai l'impression qu'on les surestime un petit peu. Bien, Jésus aimait prendre les choses vil de ce monde, les choses un petit peu... Bien, Dieu est comme ça. Il aime ça prendre des petites choses et en faire de grandes choses. On a déjà parlé du roi David, hein? Quand il a été nommé roi, quand le prophète est allé pour le premier roi... un jeune berger! Mais en fait, il y avait 11 frères, son père va y présenter tous les autres, puis le prophète dit « Non, c'est pas lui, il n'a pas un autre! » Bon, il dit « Il y a le jeune qui garde les moutons, fais-le venir! » C'est lui! Dieu aime ça! Bien, si les gens veulent s'amuser, qu'ils voient 1 Corinthiens, chapitre 1. Justement, ça nous explique que Jésus ne prend pas nécessairement ceux que nous, on prendrait dans notre équipe. Il prend plutôt ceux au travers qui il peut se glorifier. Si on retourne à Pierre-Jean-Jacques, okay. Décrivons un petit peu. Et là, je ne suis pas dans Pierre-Jean-Jacques, je suis plus dans Pierre et Jean. Okay. Juste pour nous donner un petit goût. Dans Acte 4, on voit dans Acte 3 que Pierre et Jean s'en vont au temple, guérissent quelqu'un. Là, les gens sont « Ah, ça n'a pas d'allure, tout ça, vous ne pouvez pas faire ça. » Et regarde bien qu'est-ce que les gens qui interviewent Pierre et Jean, parce qu'ils vont, ils vont lui poser des questions, ouais. Ce qu'ils disent d'eux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'est du monde normal. Normal. On ne parle pas de génie ici, là. On ne parle pas de l'élite. Non, en fait... Bien, parlons premièrement de leur métier. C'était des pêcheurs. Des simples gars qui aimaient ça à la pêche. Puis là, on ne parle pas de la pêche comme ça, là. La pêche commerciale. Exactement. Puis normalement, ce n'est pas un premier ministre qui fait ça, là. C'est un monsieur tout le monde. Tu te salis. Puis à l'époque, il faut être honnête, puis même les évangiles nous le montrent, souvent les gars pêchaient de nuit.
parce que c'était là qu'on prenait le plus de prises. Et je ne sais pas, mais moi, si j'ai le choix entre travailler de jour et travailler de nuit, je prends un job de jour tout de suite. Il n'y avait rien de glamour à propos de l'emploi du temps que ces gars-là avaient. Là. Non, c'était donc, du monde normal. Quand ils rentrent dans le village ou dans une ville, il n'y a personne qui font comme « Oh, attends, là, c'est quelqu'un d'important. » Non, pas pantoute. Probablement qu'il ne sentait pas bon puis qu'il y avait la même agonie, ouais. La peau qui était clairement brûlée à cause du soleil. Bref. Pierre. C'était du monde ordinaire. Exactement. Et en plus... Vas-y. Non, tu peux y aller, mais en plus, quelles étaient les personnalités... Bien, c'est ça. C'est là je m'en allais. Ouais. Vas-y, je te laisse y aller. Pierre, la première fois que tu lis les Évangiles, tu te dis, hey, Pierre, là, c'est un gars qui avait de la drive, pas juste un petit peu. Disons que soit il parlait puis réfléchissait après. Ici, je n'ai une dans Marc au chapitre 8, Pierre. Et ça, Pierre-là. Donc, au verset 29, il dit « Tu es le Christ ». Donc, il reconnaît que Jésus, c'est le Messie promis. Et là, Jésus est en train de dire « Oui, puis je vais souffrir. Je vais me faire martyriser. » Et à la fin du verset 31, à la fin du verset 32, Pierre prend à part Jésus et se met à le reprendre. Attends un petit peu, tu reconnais que c'est le Messie. Tout de suite après, tu le reprends. Il y a peut-être de quoi que tu n'as pas compris, Pierre. Non, assez que Jésus le dit. Il se retourne, il réprimande, puis il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Ow! Ça, c'est notre ami Pierre. Ouais, exactement. Pierre, c'est le champion du monde qui va dire, « Non, moi, je ne te renierai pas, Jésus. » Et c'est ça que j'aime peut-être dans l'Évangile, parce que moi, j'étais un gars bien normal, avec bien des défauts. Et Dieu est allé prendre un gars comme ça, là, tu sais, qui se mettait le pied dans la bouche, là, encore là, une autre expression, ça veut dire que tu parles mal, c'est pas le temps. Tu mets plein d'un plat, une autre expression. Oui, exactement. Et Dieu a pris Pierre. Puis, il va faire des grandes choses avec Pierre. On a même deux petites épîtres, deux petites lettres dans le Nouveau Testament qui viennent de la plume de Pierre, qui nous sont descendues au fil des siècles, qui sont dans la parole de Dieu. Pierre est, à tout point de vue, disqualifié d'être sur mon équipe si je veux l'élite de l'élite, mais Jésus le prend. Parlons un instant de Jean. Il n'y a pas grand-chose qui nous est dit sur le caractère de Jean, sinon qu'il était très bouillant. Il s'est fait appeler le fils du tonnerre. Martin, à un moment donné, Jésus veut aller dans un village et le village ne le reçoit pas. Pierre se tourne vers Jésus et dit « Tu veux-tu que je fasse descendre le feu du ciel pour les consumer? » Ouch! Ow! Premièrement, c'est Jésus, c'est Dieu. S'il a envie de faire descendre le feu du ciel, il n'a pas besoin de toi. Deuxièmement, à quoi tu penses? C'est quoi cette histoire-là? Et on rajoute Jacques puis Jean, qui étaient deux frères, eux autres, ils aimaient les premières places. Mm-hmm. C'est eux autres qui disent à Jésus, « Quand tu vas venir dans ton règne, on peut-tu t'assis à côté de toi? On peut-tu régner avec toi? » Je ne sais pas pour vous, là, mais... Le tableau n'est pas beau. Non, c'était pas des champions, là. C'était du monde. Quand on dit ordinaire, c'est dans le sens péjoratif. C'était pas des champions. Aïe, aïe, aïe. Restez avec nous. Pourquoi c'est écrit autant de fois Pierre, Jean-Jacques? Pourquoi eux étaient à la garde rapprochés? Restez avec nous, on va découvrir ça après la pause. Savoir plus. Visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Donc, on est en train de parler de l'expression Pierre Jean-Jacques qui veut dire qu'on ne parle pas de personne, on parle de tout le monde, mais personne. Du monde bien normal. Monde bien normal. Et on sait que là, ça vient de la parole de Dieu. Ça a été mentionné plus de 30 fois, Pierre Jean-Jacques comme étant un sous-groupe dans le groupe des apôtres. Puis là, on vient de mentionner que Pierre... Bien ordinaire. Ça lève pas haut en affaires. Jean, aïe aïe, et Jacques, aïe aïe aussi. Puis ça va bien avec l'expression québécoise qu'on connaît, c'était du monde ordinaire. Du peuple. Du normal. Monde, c'est pas l'élite. Non. Et c'est spécial parce que Dieu, Jésus, les a choisis, eux autres,
pour faire partie de sa garde rapprochée. Et on les voit justement dans des événements marquants. C'est comme si Jésus a choisi... Il ne nous donne pas d'indice pourquoi, mais Jésus, dans certains événements, il va se prendre trois avec lui. Il va les emmener avec lui. Le premier événement, c'est la résurrection d'une jeune fille, la fille de Jaïrus, responsable d'une synagogue. Puis il est tout désemparé, sa fille est malade à la mort, tout le kit. Il va aller chercher Jésus. Lorsqu'il vient pour... Jésus se dirige vers la maison de Jaïrus. Puis en attendant, en s'y rendant, c'est-à-dire une femme qui est atteinte de perte de sang, ralentit Jésus. Elle va aller toucher le vêtement de Jésus. Jésus est entouré par une foule. Jésus va la guérir. Et là, on arrive et on vient dire à Jaïrus, « Ne dérange pas le maître, ta fille est morte. » Et là, Jésus la regarde tout simplement et dit, « Garde, ne crois pas, là. Ne doute pas, crois. » Puis là, il s'en va avec Pierre, Jean et Jacques. Il fait sortir tout le monde. Peux-tu juste t'interrompre un instant? Ah, ben oui. Au verset 37, ça se trouve dans Marc 5, « Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Personne, vous allez me suivre, à part vous trois. Mais qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il va rentrer dans la maison. Là, il y a des pleureurs parce que là, la fille est morte, etc., la coutume de l'époque. Et il va chasser tout le monde. Et là, Jésus va rentrer avec Pierre, Jean et Jacques. Et il va ressusciter la fille. Il va lui dire, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talita Kumi, si ma mémoire est bonne. » Elle va se lever, puis il va la redonner à ses parents. Wow! Pourquoi? Il a choisi ces gars-là, qui étaient du monde hyper normal, bien, même plutôt gaffeur, ordinaire. Ils les emmènent et ils ont vu, de leurs yeux vus, une jeune fille ressuscitée des morts. Hey, t'imagines? Ouais. Je suis partant pour cela. Oui, absolument. Encore une fois, si tu eux autres t'amènes sur ton équipe, tu t'en vas faire un ministère, tu t'en vas ressusciter quelqu'un, si tu eux autres, non, pas nécessairement. Là. Probablement pas, en fait. Mais ouais, non, moi c'est sûr que non. Donc ça, c'en est un des exemples. Un deuxième qui est fameux, c'est lorsque Jésus il va dire à ses disciples que vous allez me voir dans sa gloire. Et là, il va en prendre trois avec lui pour aller sur une montagne. Qu'est-ce que tu en penses, j'en fais lecture un petit peu? J'aimerais ça. Donc, c'est dans Marc chapitre 9, je lis à partir du verset 2. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. » Aïe, aïe! Ils ont vu Jésus dans sa gloire. C'est extraordinaire. Avec Moïse. Et avec tout le monde. Et Élie. C'est les grands personnages de l'Ancien Testament. Et on va reconnaître notre ami Pierre. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, ou bien non, ça veut dire maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Puis c'est intéressant. Des fois, je dis aux gens, là, OK, c'est le temps de mettre l'interrupteur de l'imagination à la position marche, OK? Il a été métamorphosé. C'est écrit transfiguré, mais le mot dans l'original, c'est métamorphosos. Je ne suis pas expert, je ne connais pas le grec, mais c'est le mot de métamorphosé. Il a été transformé. Il a vu Jésus, il connaissait Jésus humainement, et là, il l'a vu divinement. Ouais. Et c'était tellement quelque chose de grandiose qu'il en avait peur. Ben c'est ça que ça nous dit au verset 6. « Car il ne savait que dire. » Donc, il a dit cette platitude-là, on va monter des tentes, parce qu'il ne savait pas quoi dire. L'effroi les ayant saisis. « Qu'est-ce que je fais, cette? » Il a vu tellement quelque chose de... Simon, as-tu déjà vu quelque chose de trop beau, trop grandiose? Puis là, tu as peur? L'effroi te saisit? Non. Mais il y a quelque chose de vraiment spécial, c'est que pour un juif, voir Dieu, c'était très effrayant. Voir les choses surnaturelles, c'était très effrayant, c'était signe de jugement. C'était signe, eux autres, ils étaient convaincus qu'ils étaient pécheurs, qu'ils étaient impurs, donc ils disaient, attends, je veux pas vivre, si je vois Dieu, je meurs. Mais exactement, les gens croyaient qu'on meurt si on voit Dieu. Fait que là, je vois Moïse, je vois Élie, je vois Jésus, que je suis pas habitué de le voir de même, parce que là, il y a de l'air de quelque chose de glorieux, de quelqu'un de glorieux. Ah, très inconfortable, mais juste pour pousser encore
encore un peu plus d'inconfort. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Ils ont entendu la voix de Dieu. Par-dessus le marché. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Ça, c'est une grosse soirée, ça, là. Ouais. Tu vois Dieu incarné, parfait, ils sont habitués, ça fait déjà quelques années qu'ils le suivent. Là, il est glorifié, donc il voit d'une façon qu'ils n'ont jamais rien vu pareil. Il voit Élie, il voit Moïse. Qu'est-ce que c'est ça? On est sur une montagne, il y a une nuée qui arrive, un nuage qui arrive, puis là, ils entendent la voix de Dieu dire, « Lui, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » C'est un événement marquant, c'est spécial que Jésus a fait profiter de ce privilège-là à eux autres. Trois gars tout à fait normal. Ce que j'aime, c'est que je crois que Dieu a choisi ces personnages-là, normal, pour que nous, on puisse facilement s'identifier avec eux autres. C'est comme moi, Pierre, je l'aime bien. Moi, je suis un Pierre. Toi aussi? Oui, OK, on oui, est deux oui, Pierre. On peut facilement s'identifier. Et je crois que ça a été un événement marquant dans la vie de Pierre, ça. Absolument. Dans son épître, si tu me permets, je vais te lire un petit passage dans l'épître. Hey, attends un petit peu, Martin. Plus tard. On va aller à la pause. Donc, après la pause, on va regarder justement quel impact cet événement-là a eu dans la vie de Pierre. Comment ça l'a transformé? Où est-ce que ça l'a emmené? Restez avec nous avant d'aller à la pause. J'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Cahill, justement qui nous dresse le portrait de Jésus. Qu'est-ce que c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pourquoi, moi, je devrais m'intéresser à Jésus? On aimerait vous le mettre entre les mains parce que Marc Cahill prend les Écritures pour répondre à ces grandes questions-là. Et pour nous, on trouve ça hyper important que vous puissiez bien comprendre qui est Dieu, quel est son plan pour nous et, en fait, comment Dieu nous voit. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, nous écrire, nous appeler, dire « J'aimerais savoir le livre que Simon nous offre » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Après la pause, comment Pierre a réagi à cet événement-là? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. J'aurais aimé ça, pouvoir être un Pierre, un Jean, un Jacques, de pouvoir goûter à ça, de pouvoir, que ce soit la résurrection. Écoute, la résurrection de la fille de Jairus, c'est quasiment rien à comparer de la transfiguration. Et, écoute, tu rencontres Moïse, tu rencontres Élie, mais ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu vois Jésus dans toute sa gloire, tu entends le Père confirmer et affirmer qui est. Et c'est tellement marquant, Simon, dans la vie de Pierre, que bien des années plus tard, il va nous écrire deux petites lettres qu'on appelle des épîtres dans le Nouveau Testament, à la fin du Nouveau Testament. Et Pierre va faire référence à cet événement-là. Je te lis dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Pierre est en train de dire, « Regarde, c'est pas nous autres qui inventé ça, là. » Puis il dit, « Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Oh, il fait peut-être référence, à les gens vont dire, « Oh, mais c'est pas clairement ça. » Mais regardez la suite. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre, il revient à quoi? Il dit, « Quand il a entendu la voix de Dieu le Père dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis le clou dans le cercueil, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça peut-tu être plus clair? Alors, lui, fait, c'est l'événement, c'est un des événements les plus marquants de son ministère, de sa vie sur la terre. Attends un peu, moi, j'ai entendu parler de Dieu, j'ai vu Jésus dans sa gloire. Aïe, aïe! Mais quel privilège pour un gars qui a dit à Jésus, qui a essayé de reprendre Jésus. Oui, c'est drôle. Puis dans Marc 9, c'est dans le même chapitre. Marc nous présente ça comme étant aïe, aïe! Puis,
c'est pas le seul événement. On a vu la résurrection de la fille de Jairus, on a vu la transfiguration, puis l'autre, c'est pas négligé non plus. C'est dans le jardin de Gethsémané. Exactement. Le jardin de Gethsémané, en passant, c'est juste avant que c'est la nuit avant que Jésus meure. C'est ça. Gethsémané, ça paraît un beau mot en passant. Gethsémané, c'est une pierre de pressoir à olives, et c'était sur le mont des Oliviers. Parce que sur le mont des Oliviers, tu as le mont des Oliviers, tu as une petite vallée, puis tu as Jérusalem. Donc, au pied du mont des Oliviers, il y avait un jardin, le jardin des pierres à pressoir à olives. Il était là avec ses disciples. Et là, il est juste avant de mourir. Jésus, il sait qu'il va mourir. Et ça, juste ça, en soi, c'est atroce. Non, ouais. Moi, si je vais mourir d'une façon souffrante, s'il vous plaît, dites-moi le pas à l'avance. Lui, et Jésus sait. Le savait. Ouais. Et là, juste avant... Il les emmène là pour prier et encore là, il en prend trois pour aller un petit peu à part pour prier davantage. Et devine qui sont les trois élus? Pierre, Jean et Jacques. Exactement. C'est eux les choisis pour entendre Jésus prier, pour pouvoir l'accompagner là-dedans. C'est quelque chose. Et quand ils sont venus le chercher, justement, c'était eux autres qui étaient là. C'est Pierre qui a sorti son épée, puis il a coupé l'oreille. Exact. C'est Pierre qui a fait ça. Donc, ces gars-là ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu Jésus suer des grumeaux de sang parce qu'il s'en allait mourir et s'en allait être coupé de son père. S'en allait être séparé de son père. Ces gars-là... Ils ont vu Jésus dans son angoisse. On parle beaucoup d'angoisse de nos jours. Hein? C'est quasiment à la mode. Absolument, ben oui. Mais c'est une réalité qu'on ne parlait pas à l'avant. Ça, c'est l'angoisse de Jésus. Jésus, Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus dans les moments angoissants de savoir qu'il va souffrir atrocement dans les heures qui s'en viennent. Donc, ils ont vu Jésus à son plus haut, à la transfiguration, et à son plus bas. Quel contraste! C'est incroyable. Et non pas seulement ils l'ont vu, Jésus a dit, je vous choisis, vous autres, pour venir vivre ça avec moi. Je veux que vous autres, vous le voyez. Mais quel privilège incroyable! Et ça, ces gars-là, c'était pas n'importe qui. Ben oui, c'était n'importe qui. Mais c'était pas n'importe qui. Exactement. Donc, c'était pas des Pierre Jean-Jacques, mais c'était des Pierre Jean-Jacques. Hey, c'est pas pire, hein, ça? Exactement. Et eux, ils ont vu Jésus. Et ils ont vu aussi Jésus ressuscité. Jean était au pied de la croix quand le Fils de Dieu s'est fait crucifier. Alors qu'il portait les péchés de l'humanité, Jean était au pied de la croix. Pierre, lui, il était parti, lui, il avait peur. Ouais. Non, non, il venait de le renier. Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus ne prend pas les qualifiés. Jésus est gracieux. Jésus appelle des gens à lui pour qu'ils puissent goûter Jésus d'une façon qui n'a aucunement... C'est impossible de pouvoir le goûter. Et ce qui est spécial, c'est qu'il nous fait le même appel à nous. Nous, des Pierre, Jean-Jacques, du monde ordinaire. Exact. Alors, il nous voit comme Simon, comme Martin, mettez votre nom, pas comme des Pierre, Jean-Jacques. Il nous voit comme vraiment comme des personnes. Puis il veut nous interpeller, puis il veut rentrer en relation avec nous. Il veut nous faire goûter qui est. Après la pause, justement, comment on fait pour saisir ça pour nous? Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, ces gars-là ont vécu des choses extraordinaires. Et Jésus, c'était pas des monsieur tout le monde pour eux autres. Les trois, c'était des gens qui l'aimaient, qui appréciaient énormément, puis qui voulaient leur faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Jésus se fait crucifier, ressuscite, il est avec eux autres un petit bout de temps, puis après ça, il est élevé. Les gars font quoi après? Ils attendent pendant plusieurs jours, le jour de la Pentecôte, 40 jours, si ma mémoire est bonne. Et là, l'Esprit de Dieu descend sur eux.
Et là, on a un texte dans le livre des Actes qui est assez intéressant. Actes chapitre 2 et au verset 14. « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. » Là, il y a une foule. Je t'arrête. Il y a une foule. Exact. C'est le point. Il y a des milliers de personnes qui sont là, là. C'est plein à craquer. Et c'est qui se lève? Pierre. Pierre. OK. Puis on sait dans l'histoire que Jean est avec. Oui. Ah, Pierre-Jean. Jacques est sûrement pas tellement ben, loin. Ça, si ça nous dit que les 11 étaient là, assurément, exactement. Jacques était là. Et là, il se met à prêcher ce que lui a expérimenté. Il se fait, ce qu'il a compris de qui était Jésus. Au verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous-même, comme vous le savez vous-même. Cet homme a été livré. » Puis elle saute quelques versets, verset 24. « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » C'est sûr, c'est Dieu. Et on va au verset 32. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Et je pense que, Simon, on a une bonne partie de la réponse pourquoi Jésus s'est choisi ces trois hommes-là. Des témoins. Exactement. Et un témoin, tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça témoigne. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Exactement. Il est en train de dire à tout le monde pourquoi Jésus est venu sur la planète Terre. C'était pour racheter les hommes de tout peuple, toute nation, de tout sang, pour Dieu, pour qu'ils soient pardonnés de leur péché, de leur faute, qu'ils soient rachetés avec Dieu. Et il s'est choisi des gens normaux comme témoins pour témoigner. Et là, il témoigne haut et fort devant des milliers de personnes. C'est, dans un sens, c'est pas normal, ça. Non, parce que comme on a dit tantôt, c'était pas du monde éduqué, mais c'était du monde qui avait rencontré quelqu'un, qui avait marché avec quelqu'un et qui avait expérimenté ce quelqu'un-là aussi. Ça s'appelle Jésus. Et alors, Jésus ressuscité, wow. En plus. Wow. Et là, il prêche un discours, une prédication, cet enseignement-là. Il dit, « Hey, vous avez besoin de Jésus-là! » Et regardez au verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » T'as peur? Oh, Jésus, c'était le Messie. On l'a crucifié. Il est ressuscité. Vous l'avez vu, vous nous le dites. On fait quoi à partir d'ici? » Et tout de suite après, il leur dit clairement, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Repentez-vous. Ça veut dire quoi, se repentir, Martin? Changer d'attitude, changer de comportement, se tourner. Complètement changer notre voie pour se tourner vers Dieu, admettre nos fautes devant Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, vous êtes-vous pécheurs? Parce que notre conscience nous accuse qu'on est pécheurs. Alors, devant Dieu, on est pécheurs. Et Jésus dit, « Je suis ton sauveur. Je suis celui qui est venu pour pouvoir te pardonner tes péchés, pour pouvoir te donner la vie. » Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire, de te repentir, de dire, « Je ne veux plus penser comme je pensais. Je ne veux plus faire confiance à ma justice. Je ne veux plus faire confiance à ma religion. Je ne veux plus faire confiance à rien. Tout ce que je veux faire confiance, c'est en ce Jésus, celui qui s'est incarné, celui qui a vécu une vie parfaite, celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.